Mes viewers, bonjour, bienvenue pour la suite de l'aventure sur Mountain Blade Warband avec le mode World Conquest. Oh, pardon. J'ai pas eu le temps d'esquiver le micro. Ah ouais, alors là, le truc. Ah ouais. Désolé. Bon, donc. Pas combien je vais en attraper là. Alors. Il y a de la witch, il y a de la witch, il y a de la cavalerie. Il n'y a pas de big guy, je crois, chez les vampires. Mais bon, ça doit être remplacé par un truc bien shadé aussi, t'inquiète. Ça ne fait pas beaucoup. Allez, c'est parti. J'ai lancé la charge de cave. C'est quoi ça? Ça a l'air violent ce truc là. Je sais pas ce que c'est. Ah putain, ils utilisent la magie, les enfoirés. Oulo. Ça fait un peu peur ce genre de symbole sur l'armée ennemie, non? Non, il y a que moi que ça fait peur, ok. Ok, ma cavalerie arrive sur les arrières, sur les archers. Là, je pense que ça va. Ça devrait bien se passer. Ok, ça se passe plutôt bien. Les renforts ennemis sont en approche. Lui, ça doit être. Ça doit être le boss, lui. Ouais. Ça, c'est pas mal. Chevalier rouge à la con, là, c'est hyper puissant aussi. C'est l'équivalent de ma Riksgard. Recule ma cavalerie pour pas qu'ils aillent se foutre là-bas tout seul.
Ouais, on n'est pas pressé, hein. Le tout c'est que ça se passe bien. Allez, on fait du kill. Ah, le petit screenshot involontaire. Ennemi 49. Bien, c'est la troisième vague de renfort. Deuxième, deuxième. Je comptais la vague initiale. Deuxième vague de renfort, je pense que ça s'arrête à 3, mais... Je suis pas sûr du tout. Ça se paramètre, ça. Hein. Bon, je monte pas le Battle Sizer, c'est un peu embêtant, je préfère qu'on soit à 300. Le problème c'est que le mode est pas forcément super stable non plus avec la magie. Hop. Donc j'ai pas envie d'en rajouter en faisant péter le compteur d'unité. Oh putain! Très bien ce... Ça doit être Abdul Kalik qui tire à l'arc à partir des chevaux là. Et ça me donne bien envie de monter des pistoliers quand même. Parce que vous voyez, je décale vraiment le... Décale vraiment la cavalerie par rapport au front, ce qui fait que ça tire sur le flanc. Plutôt efficace. Écoute, s'il n'y a plus de renfort, balancer les charges. Bon, ça s'est bien passé. Après, il va y avoir une seconde bataille, évidemment. On a tué 150 mecs, c'est pas suffisant. Exéphile, bien sûr. Voilà. Ok, je décale la cavalerie. Et ils ont craqué eux. Oh, venez ici. Ouais, j'ai bien fait de retourner à l'armée. Et là, vous. Ouais, non mais là faut carrément faire des... C'est même plus des tirs en cloche, c'est des tirs de mortier qu'il faut faire. Hein.
Par contre, mais... Ouais. J'ai que des ninjas en première ligne. Normalement, j'aurais dû avoir des Ulrich Swordmen. On dirait un Witch Hunter, ça, non? Mouh, ça ressemble bien quand même. Hein. C'en est pas un, mais... Je sens bien l'inspiration. Et je balance la charge de cavalerie. Il y a eu un petit coup de... Petit ralentissement, à mon avis. Voilà, c'est que ça a popé. Ce qui veut dire qu'on les a bien douillés sur le premier impact. Et j'ai reculé l'infanterie, la cavalerie, pardon. Alors, par où ça arrive la suite? Ouais, c'est pas une bonne idée de tourner le dos à mes Firelock quand même. Oh, je dis ça pour toi, après, bon. Tu gères comme t'as envie. Faut te servir ton bouclier, gros. Il y a 34 ennemis, je pense que c'est les derniers. Mon troll du chaos en pleine repentance se débrouille bien. Parce que c'est un troll du chaos gentil, hein, évidemment. C'est un troll du chaos gentil ou ça commence à annoncer la corruption du chaos du Seigneur Krug? Un viewer m'a proposé un petit truc. Un petit élément de RP qui pourrait être sympathique pour changer de faction. La guerre contre les hommes bêtes m'aurait corrompu et je finirais guerrier du chaos. Ça pourrait être sympa pour changer de faction. N'est pas super bien placé là. Non seulement je suis pas bien placé, en plus j'ai plus de café. Quelle vie de merde!
tranquille, tranquille. Alors, ça y est, ça arrive. Ah bah oui, Krug le sniper, hein, ça. Ça, depuis que je m'entraîne sur CSGO, évidemment, je suis devenu un archer de fou. Hein. Oh, je m'entraîne pas sur CSGO, hein, je vous rassure. J'y joue une fois de temps en temps. Pour me prendre une branlée par là. Tout ce qui traîne. Oh, la cavalerie! Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est original comme technique. Il était prêt à vraiment faire une belle charge de cavalerie avec lance couchée et tout. Mais... Ah, il a dû être impressionné par mon mur de bouclier japonais. C'est une technique japonaise, hein. C'est le mur de bouclier sans bouclier. Bon. Oh merde! Ouais, je fais le con, je fais le con. On fait les cons, on fait les cons, et on voit pas le bout du pont. Ouais, ça c'est mort. Oh, c'est remords, voire remords, je sais pas. Pas combien de cycles ils en sont. Là, par contre, faut pas que je prenne de dégâts bêtement comme ça parce que. Y a aucun temps de répit entre deux. Entre deux batailles. Ah, tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi. Le hockey Google qui se lance tranquille, ok LM. Je comprends pas pourquoi ce truc est activé sur mon téléphone, je l'utilise jamais. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un utilise cette fonctionnalité. Ah ouais, j'imagine un mec bourré. Un mec bourré en fin de soirée qui discutait avec son téléphone, pourquoi pas? Quotidien, je suis pas sûr que ce soit réellement utilisé comme fonctionnalité. Oui, bon, ça n'a rien à voir avec le jeu, on s'en bat les couilles. Mais quand même, je me pose la question. Ok, j'ai lancé la charge, hein, bien sûr. Infanterie, cavalerie, de toute façon. Voilà, c'est la fin de la bataille. Oh merde! Ah, mais je peux pas me défendre, je suis dans le menu, enfoiré là. Oh, comment tu t'es fait défoncer, gros? Est tombé pas trop mal ici.
Il n'est pas arrivé par ici. Pense que là, c'est plutôt moi qui prends. Ok. On n'aura pas eu notre tir de barrage comme d'habitude, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Par contre, moi, je suis vraiment low life. On va essayer de faire attention. Bon, la prudence, hein. La prudence à la Krug, hein, comme d'habitude. T'inquiète pas pour ça. Allez, 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 faut que je le chope celui-là, il va me faire des dégâts sinon. Ne serait-ce que le cheval, ça suffira. Il est encore là? C'est chaud ça. Ah, c'est chaud, oui. L'avantage c'est qu'il a peu de boucliers celui-là. Allez! Oh là là, j'ai plus de flèches. Quatre survivants, ça marche. Il y a peut-être encore une vague de renfort à venir. À voir. Il est pas mort, lui. Je balançais les charges, histoire que l'infanterie vienne s'occuper de la cavalerie là, parce qu'on est dans la merde, hein. Oh, mais oui! Il est toujours pas mort. Qu'est-ce qu'il reste? 31 et demi. Ah merde, il y a une vague de renfort. J'ai vendu la peau du Sylvain avant de l'avoir tué. Du Sylvanien, pardon. Mais chopez-le! Chopez-moi cette engeance démoniaque! Dit-il avec son troll du chaos, tu sais. Oh, sup, ça! T'en as combien des saloperies comme ça? Non mais. Non mais dis donc! Un peu de respect pour les anciens quand même, hein? Ouais. Allez, boire! Ah ouais, c'est bon. Moi j'ai une mort, moi. Oh, 15 morts! Pouh. Il en a 96, certes, mais... Et on va pouvoir commencer à bourriner un petit peu.
Pourquoi pas? Sinon, vous avez comme tiré dessus, hein. Faites comme si j'étais votre ennemi, je sais pas. C'est le bord de la carte, ça? Non, je me suis juste pris les sabots sur un. Ça a des sabots, un hippogriffe? Ouais, sûrement. Ah, je sais pas, des fois que ça a des serres ou. Non, les pattes avant, c'est peut-être bien des serres quand même. La question super importante, tu sais. Mais ce one shot de l'amour? Ah non, il y a des chevaliers rouges là. Des Drakenov, je sais pas quoi, non? Ah, dites-moi dans les commentaires comment ils s'appellent les chevaliers rouges, hein, n'hésitez pas. D'où vous venez-vous? D'où qui viennent ces bâtards? Oh bah ils viennent de là, oui évidemment. 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 Allez, va crever quoi, avec ton armure rouge là, ça fait un peu m'as-tu vu. Ouh, tu t'es pris un coup. Ouais, toi aussi, mais dans ta tête. Ça c'est dommage par contre, je crois que les épées ont pas de dégâts localisés. Et on peut pas faire un headshot avec une épée, il me semble. Dans Viking Conquest, oui, hein, vu qu'il y a les décapitations, c'est que ça doit compter. Mais j'ai jamais vu headshot à l'épée, quoi. Blablabla, ok. C'est pas terrible aujourd'hui, hein. Ouais, déjà 10 morts. Je vais rapatrier ma cavalerie. Mon infanterie, on va la poser en mur de bouclier. La recentrer ici. Là, on va essayer de donner un coup de main au peuple. Ah non, c'est passé entre le cheval et le bras du bonhomme, quoi. C'est trop pas de la chance, quoi. Les renforts sont arrivés. Combien? 54, ok. Ils sont plus que 160, hein, au global, donc. Donc on est bien. On est bien, on est bien. Bon, et là, c'est que la moitié de l'armée des contes vampires. Il y en a encore au moins. C'est la guerre! Arthur, c'est la guerre! Il y en a au moins encore. Au moins autant à faire. Vas-y, ta mère. Il y en a encore au moins autant à buter. Hein. Eh, mais t'en peux plus, toi! Oh merde, oh merde, j'ai mon hippogriffe qui vous voyez, mon cavalier hippogriffe il est mort. Bon, il est peut-être blessé, on sait pas, mais il est potentiellement mort. 73, ok. Ok, c'est le dernier assaut. On a 31 minutes de bataille. Oh my god! Je vais tous vous tuer! Un temps à réagir à mes ordres, c'est cool. Bah oui! L'armée, c'est des vampires, il y a des nains du chaos, il y a un guerrier prêtre qui mène l'assaut. Hein, l'unité qui est derrière, c'est le meneur, hein, c'est le big boss. Il y a des halflings. C'est quoi ce bordel?
Et après, on va dire que dans mon royaume, c'est un peu le bordel, machin, tout ça. Attends, moi, j'ai pris des humains. Des japonais. L'Empire. L'Empire de Sigmar, des japonais. Quelques trolls du chaos qui traînent par-ci, par-là, et un minotaure. Bon, ok, certes, admettons. Pas la mer à boire, hein. Ok. Sans déconner, avec tout ça, j'ai pas réussi à capturer un seul seigneur adverse. Tristesse. Bon, il y a un petit peu de pognon en prisonnier. Ouf. Ouf. 41-26. C'est pas mal. Plus 4, moi je suis à plus 8, et là 51, je suis à 58. Les casques sont bien. Alors, raconte-moi un peu. Donc là, il restait quoi? Le patrouille du Krugistan qui se fait attaquer par 200, 300, 400, 800. Là, c'est quoi? Les elfes des bois. Sylvain qui se battent contre des orques. Ok. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se revoit demain pour de nouvelles aventures. Ciao.